Bonjour et bienvenue dans Cinémoi, le magazine sur le cinéma dans le département isérois. Le numéro d'aujourd'hui est consacré aux moyens alternatifs de consommer le cinéma. Plus tard dans l'émission, nous irons à la Cinémathèque de Grenoble et nous irons rendre visite à un gérant de cinéma local qui nous ouvrira les portes pour nous parler de son métier. Mais tout de suite, allons à la médiathèque de Grenoble qui offre une large sélection de films. En plein cœur du centre-ville de Grenoble, la bibliothèque offre un large choix de livres, disques et DVD. Marion Didier, en charge des emprunts de DVD, nous en dit plus sur son établissement. Ici, on achète environ 500 DVD par an à la bibliothèque centre-ville. Et on a des séries, des films d'animation, des courts-métrages, de la fiction adulte, familiale. On lit des critiques sur de la presse, on regarde des sites voilà, pour faire le choix. Les adhérents nous suggèrent également des achats s'ils ont envie. Voilà, on a une diversité et des époques et des pays qui sont représentés et des genres cinématographiques. À l'heure où Internet offre la VOD et le streaming chez soi, on peut se demander ce qui pousse encore un si grand nombre de personnes à emprunter des films dans des bibliothèques ou autres médiathèques. Ça marche encore très fort les DVD en bibliothèque. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Internet chez eux. Donc les DVD, c'est encore une solution pour regarder des films. Ensuite, il y a des gens qui nous disent qu'ils sont perdus sur l'offre numérique qui est énorme. Et voilà, qui ne savent plus quoi regarder à la fin tellement il y a de choses et qui donc sont plus rassurés dans une collection plus restreinte, même si ici on a plus de 5000 DVD en prêt. Enfin, il y a une certaine curiosité de certaines personnes d'emprunter parmi une offre réduite plutôt que d'avoir l'immensité d'Internet à disposition. Le cinéma est un art important dans la ville de Grenoble et la bibliothèque participe à cela en organisant une quarantaine de projections tout au long de l'année. Ce sont des projections pour adultes, plus souvent des documentaires que des films de fiction. Et c'est souvent en partenariat avec des partenaires locaux, les festivals, donc Vue d'en face, le planning familial. On travaille beaucoup avec la Cinémathèque. Qui est-ce qu'on a d'autre comme partenaire? Les festivals horolocaux, cinéma italien, enfin voilà. La bibliothèque joue un rôle dans la diffusion du cinéma au public grenoblois grâce à la large sélection de DVD, des organisations d'événements ainsi que d'ateliers destinés à tous. Vous l'aurez compris, les médiathèques sont un moyen simple d'enrichir sa culture du cinéma à un moindre coût et disposent d'une ressource quasi intarissable. Allons rendre visite dorénavant à une institution ayant une mission publique, la Cinémathèque de Grenoble. Sa mission, tout simplement, rendre accessibles les grands classiques du cinéma à tous. En effet, elle dispose d'une salle permettant des projections de grande qualité et organise aussi des événements comme le Festival du Court en plein air. La Cinémathèque de Grenoble est une institution de cinéma créée en 1962 par Michel Warren. C'est un lieu de conservation et de diffusion du patrimoine cinématographique qui compte plusieurs milliers d'œuvres et d'ouvrages sur le cinéma. Son actuelle directrice, Peggy Zegman-Lecarme, nous parle de sa mission. Nous, notre travail, c'est d'abord de conserver cette mémoire cinématographique, ce patrimoine cinématographique, de le valoriser. Et puis sur vraiment le sens de la conservation, de la programmation à proprement parler. Nous, on va aussi vers des films inédits qui n'ont pas forcément de distributeurs en France et qu'on peut montrer dans le cadre de la Cinémathèque.
la valorisation du patrimoine cinématographique, donc l'aspect de programmation des films, est loin d'être notre unique activité. Nous, on a tout un travail également de conservation de ce patrimoine, de collecte, et puis d'éducation et de formation à l'image. En effet, après plus de 50 années de récolte auprès de collectionneurs et autres cinéphiles, la Cinémathèque a accumulé plus de 8000 films appartenant au patrimoine. L'organisation a également dans son programme différents ateliers et événements qui proposent un apprentissage du cinéma à tous. Parmi ces événements, le plus important de l'année est le Festival de courts en plein air qui propose une large sélection de courts-métrages permettant de découvrir de nouveaux talents du cinéma. C'est à la fois faire des invitations, créer un jury, des jurys, aller voir les différents partenaires et entretenir ces partenariats à l'année et les valoriser. Et le travail de sélection, il se fait avec un comité de sélection. Donc on reçoit, l'année dernière, on en a reçu un peu plus de 2400. Et donc on fait tout un travail à l'année de visionnage, de découverte ensemble et pour retenir une cinquantaine de courts-métrages sur 2500. Et il y a des films pour lesquels des fois on a besoin de faire une pause parce qu'on voit des œuvres qui sont assez extraordinaires. La Cinémathèque, dans toutes ses activités, montre une volonté de partager le cinéma et son patrimoine à un plus grand public. Avec plusieurs festivals à son actif, la Cinémathèque de Grenoble est un incontournable pour tous ceux qui veulent voir ou revoir de grands classiques du cinéma ou même découvrir de jeunes talents. Sortons un peu de Grenoble et allons rencontrer Guillaume, gérant du cinéma local de la ville de Pontcharrat. Passionné de cinéma et désireux de nous faire partager son amour du 7e art, il nous ouvre les portes de son établissement pour nous en parler. Le cinéma de Pontcharrat et d'Alvar en fait sont des cinémas communaux, mais la gestion en fait des cinémas est confiée à une entreprise privée. Et c'est cette entreprise qui m'emploie. En fait, il faut savoir que la recette d'un film, elle est partagée. C'est la recette au guichet qui est partagée entre le cinéma, entre nous et le distributeur. Grosso modo, c'est 50-50 ans. Aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus de passer uniquement les films et de faire que ça. On doit aujourd'hui accompagner les films. Il y a tellement de concurrence. Alors, il y a Internet, il y a d'autres médias aussi qui et puis les sorties, en fait, il y a beaucoup de débats aussi aujourd'hui sur les sorties simultanées dans les salles, sur les smartphones ou sur la VOD. Donc il y a une concurrence qui est plus forte qu'auparavant. Donc pour se démarquer, aujourd'hui, les salles doivent, je pense, faire plus qu'auparavant. Donc concrètement, ça veut dire accompagner les films. Ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer des animations après les séances, des échanges, des animations en lien avec le film qu'on propose. Donc ça peut être des débats, faire venir un acteur, un réalisateur, prolonger en fait la séance pour donner justement ce petit plus qui nous différencie avec d'autres supports. Tout le système du cinéma est fondé aussi sur la solidarité. Toute la chaîne, en tout cas, du cinéma est fondée là-dessus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup aussi de personnes qui voudraient remettre en cause cet équilibre. C'est-à-dire que les plus grosses garderaient la grosse part du gâteau et ne veulent pas forcément le partager avec les plus petits. On a le meilleur système d'exploitation au monde, en France. Et ça, c'est un trésor qu'il faut absolument préserver. Malgré la dépendance au box-office, Guillaume arrive à créer des événements pour partager le cinéma qu'il aime tant. Grenoble et ses alentours regorgent de passion pour le cinéma et proposent des alternatives aux multiplex et autres salles de cinéma. Et justement, ces salles de cinéma classiques seront le thème de notre prochain numéro. Cinémoi, c'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour votre dose hebdomadaire de cinéma.
Mediatok qui offre Mediatok Zer.